Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je me présente, Karina, je suis conseillère marketing chez Viron Groupe Santé. Je vais être votre modératrice pour la présentation d'aujourd'hui qui porte sur Dormir, ça s'apprend. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Anne-Marie Hervieux, une allothérapeute depuis 2001. Sa carrière, Anne-Marie, a débuté à l'hôpital aux soins intensifs adultes et néonataux ainsi qu'en salle d'opération. Anne-Marie s'est finalement spécialisée en sommeil et travaille chez Viron depuis maintenant 13 ans. Conférencière depuis 4 ans et instructrice de RCR depuis 3 ans. Accorde une grande importance au sommeil et à l'hygiène de vie qui l'entoure. Ce sera donc votre conférencière pour aujourd'hui. Avant de débuter, je vais vous informer du fonctionnement technique de la présentation d'aujourd'hui. Donc, dans votre écran, vous devez être en mesure d'avoir un accès à un panneau. C'est un panneau qui va contenir des options comme le clavardage que vous pouvez utiliser au cours de la présentation aujourd'hui, si jamais vous avez des questions ou encore des problématiques. Ce sera la façon de fonctionner pour aujourd'hui puisque vos micros sont tous coupés. À noter que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, vous sera envoyée à la fin de la conférence. Sans plus tarder, je passe la parole à Anne-Marie pour faire la présentation d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, merci d'être là ce midi. Ça me fait plaisir d'être avec vous sur votre heure de lunch. J'espère que ça va bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. On a quatre parties, en fait, comme vous voyez à l'écran. En premier, on va parler juste du sommeil, de quoi ça a l'air, les bienfaits de tout ça, à quoi ça sert, comment c'est structuré. En deuxième partie, on va vous parler justement des bonnes habitudes à avoir pour avoir un sommeil de qualité. Des généralités, mais que vous allez pouvoir appliquer à votre vie au quotidien, qui sont intéressantes justement à appliquer pour pouvoir avoir ce sommeil-là, comme je vous disais, de qualité. En troisième partie, on parle de troubles du sommeil. On va voir deux troubles de sommeil qui sont très fréquemment rencontrés. Puis on va faire un survol sur quelques autres que vous avez sûrement entendu parler, mais eux, on n'entrera pas dans le détail. Puis à la fin, une belle conclusion là-dessus. Puis si vous avez des questions, on va en parler aussi à la fin. Donc, comme je vous disais, bienfaits du sommeil, bonnes habitudes du sommeil, puis les survols sur les troubles du sommeil. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On vous fait un aperçu. On va rentrer quand même un petit peu dans le détail, mais pas dans le très, très gros détail. Fait que si à la fin, vous voulez en savoir plus sur chacun des sujets, bien, on vous invite, Karina va vous donner un lien. Vous allez pouvoir communiquer avec nous et puis on va approfondir le sujet qui si jamais vous avez envie. On change. Donc, avant de commencer, en fait, on va juste apprendre à mieux vous connaître. On aimerait savoir, vous êtes situé dans quelle tranche d'âge? Donc, je vais vous lancer un petit sondage. Vous allez pouvoir répondre à l'écran tout simplement. On va vous laisser quelques secondes. Super. Ça continue de monter. Je vais vous partager les résultats. Donc, aujourd'hui, tu vois bien les résultats de Marie, je te laisse les présenter. Vois bien. Super. Donc, on a autant du 26 à 35 ans que du 56 ans et plus aujourd'hui. Également, quand même beaucoup de 46 à 55. C'est assez mélangé pour aujourd'hui. On a juste pour savoir à qui on parle. Et puis, vous allez voir, après ça, il y a des diapositives qui, justement, ciblent chacun des groupes d'âge. Fait que c'était de ça l'intérêt de la question. Alors, bienfait du sommeil. Karina, tu peux changer la slide, s'il te plaît. Et voilà. Les grandes lignes, mais quand on dort, les trois points que vous voyez là, ben, ça sert à ça. Récupération physique, ça veut dire être bien reposé le lendemain. Quand on a une bonne nuit de sommeil, le lendemain, on est capable de faire nos activités, on se sent bien dans notre corps. Fait que la grande ligne de ça, c'est ça, que notre corps se sent bien. Fonction cognitive, c'est plus ici au niveau de la tête. Donc, être alerte, ça veut dire être capable d'être là présentement. Maintenir son attention quand on a une tâche à accomplir et puis qu'on doit être concentré. C'est ça les fonctions cognitives. Justement, maintenir notre attention sur quelque chose, être capable de se concentrer. En troisième, les fonctions métaboliques, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur, nos cellules. Elles se régénèrent la nuit. On grandit tout le temps, mais les enfants, en général, quand ils dorment bien, ils peuvent avoir leur croissance de façon appropriée. Donc, ça sert à ça. Rester en vie, se développer, fonction de nos cellules. Cette slide-là, elle parle justement du sommeil lui-même, comment il est fabriqué. Comme vous voyez, il y a quatre étapes. Je vais vous le décortiquer. On va entrer un petit peu dans le détail de ça, là, mais je vais vous mettre le plus simple possible.
Vous voyez, il y a quatre chiffres, donc il y a quatre étapes au sommeil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ça s'appelle en gros sommeil léger. 3, 4, ça s'appelle plutôt sommeil profond. Quand on s'endort, on tombe en général dans le stade 1, puis on avance tranquillement, pas vite, vers les stades les plus profonds. Chacun des stades est important. Ce n'est pas de dire que c'est seulement le sommeil profond qui est important. Donc, comme je disais, chacun des stades est important. Parce que, comme vous voyez qui est écrit en dessous, chaque stade permet à notre corps de faire certaines choses, comme le stade 2, vigilance. Quand on reste beaucoup dans le stade 2, bien, on est un peu plus vigilant le lendemain. Stade 3, vous voyez, récupération physique, tout ce que je vous nommais. Puis stade 4, c'est le sommeil qui est très, très, très profond. C'est là-dedans qu'on rêve aussi. Et ce que je viens de vous dire, dans le fond, c'est que c'est pas chacun des stades. Chaque stade est important, mais c'est pas qu'il faut rester toute notre nuit dans le stade de sommeil profond. Ce qui est important, ça s'appelle de faire des cycles de sommeil. Donc, passer de 1 à 4, ça dure en général de 1 heure à 1h30. Et puis, idéalement, il faut faire ça. Ça s'appelle un cycle. Il faut en faire en général, idéalement, 5. 5, c'est pas mal le chiffre magique. Fait que si on fait 1, 2, 3, 4, on revient 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 fois, bien, en général, on est bien reposé le lendemain. C'est ça les grandes lignes du sommeil. En début de nuit, on reste plus dans le sommeil léger. Puis en fin de nuit, on reste plus dans le sommeil profond. Voilà, les grandes lignes du sommeil. Alors, les bonnes habitudes à avoir, c'est ce qui est écrit là, de vous fier au niveau d'énergie que vous avez pendant la journée. Les gens qui n'ont pas de problème de sommeil, qui sont reposés, mais ça veut dire que leur routine est pas mal sûrement adéquate. Donc, les bonnes habitudes à avoir, c'est ça. On se fie le lendemain. Si le lendemain matin, je me lève, je suis super fatiguée, j'ai la misère à faire ma journée, mais sûrement que ce que je viens d'avoir dans ma nuit n'est pas approprié par rapport à mes besoins. Donc, fiez-vous à ça, à votre besoin, à comment vous vous sentez le lendemain pour trouver, vous, votre besoin de sommeil. On peut changer. On va se poser une petite question. Donc, sur une échelle de 1 à 5, comment est-ce que vous considérez présentement votre sommeil? Donc, 5 étant excellent. Donc, on aimerait vous entendre sur ce 1 à 5, comment vous considérez votre sommeil présentement, 5 étant excellent. Laissez quelques secondes pour répondre. Super, ça bouge. Génial, on va partager. Voilà, Anne-Marie, je te laisserai commenter. Oui. Super. Donc, pas mal la moitié des gens, vous êtes au milieu. Hein? Ça veut dire que ça va bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas pourri non plus, en gros. Fait que c'est quand même bien. Il y en a cinq. Retournons en arrière, Carmen. Il y a personne qui a dit que c'était extraordinaire, hein? Non, personne n'a dit que c'était extraordinaire. Personne n'a dit que c'était un non plus. Donc. Okay. Pas mal dans le milieu, super. Vas-y, excuse, j'ai coupé la parole. Non, c'est bon, j'ai dit dans le milieu. Oui, exact. Donc je dis toujours slide, est-ce qu'il y a un mot en français? Cette diapositive. Merci, cette diapositive-là, elle vous montre le nombre d'heures recommandées par rapport à votre groupe d'âge. Fait que si on regarde à la gauche, vous voyez les tout-petits, bien, on le sait, là, ça dort. C'est pas un sommeil continu, malheureusement, pour les nouveaux parents. Mais c'est un nombre d'heures cumulées qui ressemble à ça, entre 14 à 17 heures. Fait que vous voyez, dans le blanc, c'est le nombre d'heures usuellement recommandé. Le minimum est en bas, puis le maximum est en plus foncé, en mauve, en haut. Fait que si, par rapport à votre groupe d'âge, tantôt, on avait beaucoup de gens dans la tranche 45-50, hein, fait que c'est un peu plus au centre. Donc, c'est entre 8 à 10 heures, ce qu'on savait. À taper 26, non, 7-9 heures, tu sais, je sais pas, à la même place, 7 heures à 9 heures, fait qu'on va dire 8 heures. Fait que votre 8 heures, c'est sûr qu'il y a des extrêmes, là, tu sais, le 8 heures, c'est la moyenne, mais si vous dormez à peu près 8 heures, mais c'est ce qui est recommandé pour votre groupe d'âge. Minimalement 6 heures, il y en a qui sont capables de dormir très peu et qui, malgré ça, sont très, très, très efficaces, sont capables de performer le lendemain matin, toute la journée aussi. Reste à savoir si ce peu de sommeil-là, c'est vraiment votre vrai besoin de sommeil. La réponse est simple. C'est que si, par exemple, la fin de semaine, ces gens-là dorment plus,
bien, ça voudrait dire que ce n'est pas leur vrai besoin de sommeil. Vu que si c'était leur vrai besoin de sommeil, ils dormiraient que ce 6 heures-là ou ce 5 heures-là toutes les nuits. Si à un moment donné, cette personne-là dort, mettons, jusqu'à 11 heures le matin, mais ça voudrait dire que le besoin de sommeil de cette personne-là est plus grand que ce que cette personne-là fait en réalité. Tout ça pour dire, fiez-vous à ça. Idéalement, là, de respecter ce besoin d'heure de sommeil-là par rapport à votre tranche d'âge va vous permettre d'être bien reposé. Les enfants, je fais une parenthèse, les adolescents, tout petits, là, on recommence. Tout petits, les enfants dorment beaucoup, beaucoup. Ils se couchent tôt, se lèvent tôt. Après ça, notre besoin de sommeil se tasse un peu. Ça veut dire qu'on se couche plus tard un petit peu, on se lève plus tard un petit peu, mais on reste quand même dans des heures assez matinales. Les adolescents, leur phase de sommeil, leur besoin de sommeil, ils reculent. Ça s'appelle un recul, un retard de phase finalement. Ils se couchent super tard, ils se lèvent super tard. Au grand dam des parents, puis au grand dam de l'école. L'école est faite pour être d'une vie de jour, mais souvent on va à l'encontre du besoin physiologique de nos adolescents. Fait que ça fait souvent qu'ils sont fatigués, puis ils dorment sur leur bureau. Fait que dans le fond, je vais vous donner des trucs tantôt pour pouvoir les aider, si jamais vous en avez encore des adolescents ou si vous n'avez pas d'adolescents avec nous aujourd'hui, mais bref, pour justement favoriser le sommeil quand justement on n'est pas capable de vivre dans notre vrai besoin de sommeil à cause de notre travail, l'école, tout ça. Fait que selon le tableau, puis selon votre tranche d'âge, on aimerait savoir si vous considérez que vous respectez le nombre d'heures de sommeil recommandé. Donc, je vous laisse regarder le tableau là, quelques secondes. On a parlé d'à peu près 8 heures selon la tranche d'âge qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vous partage le sondage à savoir si oui ou non vous respectez le nombre d'heures recommandé. Je vous laisse quelques secondes. Super, ça monte. Assez partagé, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous montre ça à l'instant. 50-50. Wow. Eh oui. Ça marche. Donc, les gens. 50-50. Ouais, c'est vraiment, vraiment moitié-moitié. Super. J'allais dire, les gens qui vous respectez votre besoin de sommeil, tant mieux et bravo. Pour les autres, tout le monde, en fait, là, vous pourrez écouter, je vais vous donner des beaux trucs qui vont vous aider justement à, si vous avez pas, si vous respectez pas votre vrai besoin de sommeil, au moins comment prioriser puis rendre votre sommeil efficace. Fait que comme vous voyez ici, là, Santé Canada a fait des études en 2017, c'est quand même un petit peu loin. 32% de la population dort moins que la durée de sommeil recommandée. Fait que nous, aujourd'hui, mais c'est plus que ça, c'est vraiment la moitié des gens. Ouais. Fait que vous avez peut-être des pro t'sais, peut-être que ce manque de sommeil-là fait rien dans votre vie, dans le sens que vous êtes capable de fonctionner, votre corps va bien, votre niveau d'énergie va bien, votre travail va bien. Mais si justement vous avez pas une qualité optimale dans ce que je viens de nommer, ben vous pourrez penser à peut-être prioriser votre sommeil parce que le sommeil, il est vraiment à la base de tout ça. On peut changer. Voilà. Quand on manque de sommeil, tout ça peut arriver. Dysfonctionnement social, celui-là, il est très simple. Imaginez que, moi, je compare souvent, tu sais, le manque de sommeil à un bébé qui a manqué de sommeil. Tu sais. Le bébé, quand il est dû pour sa sieste, il n'y a pas de bon sens. Puis là, on se dit, my God, il est temps qu'il fasse sa sieste. Tu sais. Fait que c'est un peu la même histoire chez les adultes. Nous, en tant qu'adultes, on ne se laisse pas aller, tu sais, à nos impulsions de, ah, je suis fatiguée, j'en peux plus. Mais ça fait souvent qu'on a la mèche courte. On a moins ça, de patience, on a moins, tu sais, peut-être d'empathie ou quoi que ce soit. Fait que le dysfonctionnement social est lié potentiellement à ça, à ce manque de sommeil-là, puis le fait qu'on est plus à vif. Même chose pour les relations, je vais prendre une voyelle, relations interpersonnelles difficiles. Ensuite, santé, prise de poids, ça, c'est super étonnant. Quand on dort bien, je vous disais, nos fonctions métaboliques, c'est nos cellules, elles ont le temps de faire ce qu'elles ont à faire. Par rapport à la prise de poids, là, c'est qu'il y a certaines hormones qui sont carrément à l'envers de ce qu'on voudrait quand on ne dort pas bien ou pas suffisamment. Des hormones qui donnent envie de manger, par exemple, elles sont plus là, puis d'autres qui stoppent un peu notre envie de manger ou le sentiment de satiété, mais elles sont moins là. Fait que parfois, quand on a un manque de sommeil ou un mauvais sommeil, on prend du poids.
sans le vouloir. Fait que c'est sûr que la bouffe en haut de la liste, là, mais reste qu'un mauvais sommeil peut entraîner facilement prise de poids, des problèmes de santé aussi, risque d'accident. On compare un manque de sommeil à une alcoolémie parfois. L'idée, c'est que si on manque de sommeil en étant justement fatigué, ben, on est moins alerte. Fait que, y a des études comme ça qui prouvent que manque de sommeil est associé à une certaine alcoolémie. Ensuite, on change. On rentre dans les bonnes habitudes de sommeil. Tout ce que je vais vous dire, ça coûte 0 $. Et puis, c'est des trucs qui sont pertinents à appliquer. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, on n'en parle pas. Mais si vous sentez un peu fatigué à la 50, notre 50% qui était avec nous aujourd'hui, qui justement dorment pas assez, si vous ne vous sentez pas top le lendemain, toute cette partie-là, ça, c'est bon à garder en mémoire. Ralentir la cadence. Dans le jour, vous pouvez courir votre marathon, mais le soir, avant d'aller vous coucher, c'est recommandé un bon, peut-être 2 heures avant d'aller se coucher, de commencer à un peu, tu sais, ralentir. C'est pas le temps, ça peut être le temps, mais j'allais dire, c'est pas le temps d'aller faire votre gros ménage du printemps puis tout ça, tu sais. Donc, j'allais dire, de se calmer. Encore mon histoire de bébé, je compare souvent les adultes aux enfants, dans le sens qu'un bébé qui joue, on ne peut pas le prendre puis tout de suite aller le coucher et dire bonne nuit. T'sais. Souvent, on fait la petite routine, donc le petit bain, le petit biberon, l'histoire. Puis là, ensuite, le bébé fait son beau dodo. On dirait que le corps aime bien ça, savoir ce qui s'en vient. Donc, ralentir la cadence, c'est la première chose à mettre dans notre routine, d'être capable de ralentir ça pour que notre corps sache que là, ça va être le moment de se calmer par la suite puis s'endormir. La routine, c'est exactement ce que je viens de dire. Notre corps est facilement programmable. Si vous faites, par exemple, ce que je viens de vous dire, une belle routine, mais votre corps va savoir ce qui s'en vient, puis c'est plus facile après ça de passer de l'éveil au sommeil quand votre corps est quasiment programmé là, dans sa routine. Reconnaître les signes de somnolence. Souvent, là, quand on devient fatigué, on a un genre de frisson qui s'en vient. Si les yeux deviennent pesants, tout ça. Donc, de ne pas aller à l'encontre de votre besoin si vous n'êtes pas en train de travailler, bien sûr, ou de conduire, quoi que ce soit. Là. Donc, oui, reconnaître les signes de somnolence, c'est des généralités, là, mais quand vous sentez votre sommeil, écoutez-vous, allez vous coucher. Puis, s'exposer à la lumière au réveil, ça, on n'en a pas parlé, mais on a une horloge interne. Qui dicte quand on est éveillé et puis quand on est endormi. Cette horloge-là, elle est gérée par la lumière du jour, entre autres. Fait que quand on se lève, c'est une bonne idée d'aller, si on peut, dehors pour que la lumière entre dans notre œil, parce qu'il y a des récepteurs dans le fond de notre œil qui, justement, ancrent ce rythme-là à nous. Fait que, s'exposer à la lumière, ça coûte 0 $. Puis les gens qui sont fatigués dans le jour, bien, ça peut être quelque chose de, si c'est faisable pour vous, d'aller prendre votre café dehors le matin, un 5 minutes. Pas de verre fumé, puis pas à travers la fenêtre. C'est vraiment être dehors pour que la belle lumière entre dans votre œil. Puis comme je disais, ancre le rythme circadien dans votre corps. Fait que ce truc-là coûte 0 $ et excellent. Je l'aime. Ensuite, pardon. Alimentation et sommeil. Évitez les stimulants. Dans le jour, vous pouvez prendre du café, du thé, du chocolat, pas trop. Mais donc, en fin de journée, encore là, peut-être 2-3 heures avant d'aller vous coucher, d'éviter ça, les stimulants, pour l'idée d'être capable de se reposer et puis de calmer finalement notre corps au grand complet. Évitez les repas copieux, consommation excessive de liquide. Quand on va se coucher, tu sais, je vous disais tantôt, je vous l'ai dit vite vite, mais souvent on sent un frisson quand on s'endort. Ce frisson-là, c'est parce que notre température corporelle baisse un peu quand c'est l'heure d'aller se coucher pour nous. Quand on mange, notre énergie s'en va dans notre estomac et puis là, notre température corporelle, elle augmente. Fait que souvent, quand on mange beaucoup, notre température, comme je viens de dire, corporelle augmente, fait que là, elle ne baisse pas. Puis on a de la misère à tomber endormi. Puis toute notre énergie est passée sur notre digestion fait qu'à ce moment-là, ça fait parfois, si on est capable de s'endormir malgré tout, un mauvais sommeil parce que notre énergie, comme je le disais, est là-dessus, est sur la digestion. Évitez l'alcool. L'alcool, quand on en prend, ça peut nous endormir, bien sûr. Donc, ça peut faciliter l'endormissement, mais la qualité du sommeil, elle n'est pas là. Ça s'appelle fragmenter le sommeil. Tu sais, tantôt, je vous disais, dans l'échelle du sommeil, il y a 4 étapes au sommeil. 1, 2, 3, 4. On devrait théoriquement juste s'en aller vers le plus gros pour ensuite revenir. Mais quand on prend de l'alcool, ce que ça fait, c'est que ça. Le mot là, que je vous disais, c'est fragmenter. Ça veut dire qu'on avance à 1, à 2,
on recule à 1, à 2, 3, 4, 1, 1. Fait qu'on avance, on recule comme ça. Fait que le sommeil, oui, on dort, mais c'est pas de qualité. Fait que souvent, le lendemain, ben, pour mille et une raisons, dont celle que je viens de vous nommer, mais on n'est pas super frais et dispo. Tu peux changer la slide. Merci. Ensuite, chambre à coucher. Recommandation générale. Pas avoir de distraction. Les grandes lignes, c'est ça. Donc, sombre, silencieuse, confortable. Sombre, mais encore parce que la lumière va stimuler votre œil à être plus éveillé. Fait que plus c'est sombre, en général, mieux c'est. Éviter les éléments perturbateurs. Idéalement, pas de télévision dans la chambre. Parce que ça, si vous n'avez pas de problème à dormir, tout ça, là, ça ne s'applique pas. Mais ceux qui en ont, sortez la télé de votre chambre. Parce que c'est facile d'aller la regarder, la télévision, de un. Fait que là, ça stimule votre esprit. Vous n'êtes plus trop enclin à aller vous endormir. Et puis l'autre, ben, c'est encore la lumière dans votre œil. La lumière, je disais, ça nous permet de bien nous réveiller. Ben, là, s'il y en a de la lumière, ben, on va être moins porté à s'endormir. Réserver le lit pour le sommeil et les activités sexuelles. Encore une association dans le sens que si dans notre lit, on ne fait que dormir, ben, notre cerveau va savoir que notre lit sert à ça. Puis pas à lire un livre, à gamer, tout ça. Lire un livre, parenthèse, c'est correct parce que c'est pas challengeant mentalement, là, mais dans le sens de ne pas travailler au lit, par exemple. C'est ce que je voulais dire. Des affaires comme ça. Ensuite, on est encore dans les bonnes habitudes de sommeil. Par rapport à l'exercice physique, c'est bon d'en faire. Votre corps va aimer ça, il va vous remercier. Fait que si vous êtes capable de bouger régulièrement, toutes les sphères, si votre médecin vous le permet, là, tu sais, si vous n'avez pas de limitation physique ou par rapport à une maladie quelconque, vous pouvez en faire, puis j'allais dire, c'est excellent. Donc, par rapport au sommeil, si vous êtes capable de faire de l'exercice en début de soirée, idéalement, ce serait, mettons, souper, aller faire une petite marche, un petit sport relax. Votre énergie, pas votre énergie, votre température corporelle va augmenter un peu. Ensuite, elle va baisser quand votre exercice, vous allez le terminer. Et puis, cette baisse-là va encore vous aider à favoriser le fait de tomber endormi. Bougez régulièrement. Apparemment, là, l'exercice physique régulier a mis un bienfait, surtout. Fait que ça, j'imagine que vous le savez, mais par rapport au sommeil, c'est ça. Plus les gens sont actifs, plus le sommeil, de pas actif en fou, comme je vous disais, là, mais de façon régulière, ça favorise d'avoir un bon sommeil. Puis suivez les recommandations de votre médecin, c'est ça. T'sais, je ne vous dis pas d'aller faire quelque chose si vous avez des limitations physiques. Là. Donc, votre santé vous appartient, là, mais il faut respecter tout ça. On va avoir une autre question par rapport à ça ici. La sieste, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise habitude de sommeil? Ouais, pas de sommeil, bonne ou mauvaise habitude? C'est bien beau de voir les réponses monter qui sont très différentes. Ouais, c'est souvent le cas. On vous laisse encore un peu de temps. Oui, je vais partager dans quelques secondes. Génial. Super. Alors, bonne, mauvaise, cool. Alors, là, c'était une question piège un peu. Hein, j'imagine que ceux qui ont dit que c'est une bonne habitude, ben, c'est que vous dites, ben oui, on dort, en fait, c'est bien. Puis ceux qui disent que c'est mauvais, mais peut-être que vous pensez que ça compromet le sommeil pour la nuit. Alors, tout le monde a raison. Ça peut être une bonne idée et ça peut être une mauvaise idée, dépendamment de la façon qu'on la place et qu'on la durée. Fait qu'ici, là, si vous êtes super, pas en forme, mais si vous êtes super alerte, tout ça, puis que votre niveau d'énergie dans la journée est parfait selon vous, vous n'avez pas besoin de faire de sieste. Si par contre, vous sentez que vous êtes fatigué, ça peut être une super bonne idée d'en faire. Et après ça, si justement votre niveau d'énergie, il n'est pas top, comment la planifier? Et là, il faut se souvenir de ce qu'on se parlait au début, tu sais, les quatre étapes au sommeil. Les stades 1, 2, c'est des stades de sommeil qui s'appellent sommeil léger. Eux, je vous disais aussi tantôt, quand on y est, ça permet d'avoir une meilleure vigilance. Fait qu'il y a, par rapport à ces deux stades de sommeil-là, il y a deux... Attendez-moi, j'entends quelqu'un en background. Karen, est-ce que tu l'entends? Oh. On va fermer le micro. Merci. J'allais dire, oui, c'est ça. Fait qu'il y a deux... Bon, on revient. Parce que... Fait que par rapport au sommeil léger, ça dure pas longtemps, le sommeil léger. Fait que vous avez deux choix.
Si vous voyez dans le petit carré qui est 10 à 20 minutes, ça là, l'idée de cette sieste-là, si vous faites une sieste de 10 à 20 minutes, c'est une sieste qui ne reste que dans le sommeil léger. Fait que ça va baisser votre fardeau de fatigue, augmenter votre vigilance, et puis quand vous allez vous réveiller, votre réveil devrait être quand même assez facile. Fait que ça va être bien, c'est comme un power nap. Donc, c'est une excellente idée de faire une petite sieste. Je vous fais une parenthèse avant qu'on parle des autres durées de sieste. Le fameux sommeil profond, là, je vais vous le comparer à un morceau de gâteau ou de quelque chose que vous aimez beaucoup, beaucoup. Si, par exemple, je vous donne un morceau de gâteau, puis que là, vous prenez une bouchée, puis là, je vous enlève ce morceau de gâteau. C'est un peu fâchant et frustrant, tu sais. Le sommeil profond, c'est un peu la même affaire, dans le sens que quand on reste dans notre sommeil léger, la vie est belle. Mais quand on touche au sommeil profond, puis qu'on s'y fait enlever avant d'être resté le nombre de temps nécessaire, notre corps n'aime pas ça. Fait que c'est quand même du sommeil, donc ça peut être quand même une bonne idée de faire une sieste, puis d'aller dans le sommeil profond, puis de s'y faire réveiller. Mais si on y va, puis qu'on reste pas, comme je vous disais, le nombre de temps standard ou recommandé, je vais vous en parler après, on peut avoir justement une pesanteur, t'sais, un réveil pas super facile. Fait que par rapport à ça, l'idée, c'est soit de rester dans le sommeil léger, 10-20 minutes, ou bien donc de faire un cycle au complet qui dure 1 heure à 1 h 30. Fait que le 10 à 20 minutes, top qualité, ça va faire un power nap. 30 minutes, c'est quand même correct parce que c'est du dodo, mais comme vous lisez, le réveil va être difficile parce que vous avez peut-être touché au sommeil qui s'appelle le sommeil profond sans y rester le nombre de temps que votre corps aime. Fait qu'après ça, vous avez le 60 ou le 90 minutes. Le 60 minutes, vous allez avoir sûrement fait presque un cycle complet, donc améliore ce que vous voyez. Mémoire, légère somnolence, parce qu'en général, un cycle complet, c'est 90 minutes. Fait que vous n'avez pas complété votre cycle au complet. Fait que l'autre idéal, ce serait 90 minutes. Fait que les deux meilleures siestes, là, idéalement 10 à 20 minutes ou 90 minutes. Pour soit rester dans le sommeil léger ou faire un cycle de sommeil complet. Quoique les autres, c'est quand même du dodo. Je vous fais une autre parenthèse avant d'aller là-dedans. Si vous n'avez pas de problème de sommeil, la sieste, là, vous pouvez la faire n'importe où, n'importe quand, reste que si vous avez de la misère à tomber endormi le soir, si vous avez de l'insomnie, la sieste, il faut la terminer maximalement vers le 3 heures de l'après-midi pour pas que votre regain d'énergie fasse que votre sommeil ou le fait de tomber endormi la nuit soit difficile. Donc, idéalement, les siestes, les terminer avant 3 heures de l'après-midi. Petite parenthèse là-dessus. On est encore dans les bonnes habitudes de sommeil. Il y a plusieurs maintenant façons d'avoir une idée si notre sommeil est de qualité. Ce que vous voyez à l'écran sans son. Donc, il y a des applications sur les téléphones, il y a des montres intelligentes, il y a des bagues. Sachez que ça, c'est vraiment pour vous donner une idée, dans le sens que c'est pas exhaustif parce que c'est pas un vrai test de sommeil, mais ça peut vous donner une bonne idée de la qualité de votre sommeil. Vous voyez en bas, là, c'est pas homologué par l'association. Je cherche le nom, je l'ai perdu, mais bref, les médecins, finalement, ils ne se fient pas là-dessus pour savoir si oui ou non vous avez un trouble du sommeil ou pas, mais ça peut vous ennuyer. T'sais, si ça dit que votre sommeil n'est vraiment pas de qualité, vous ne vous sentez pas bien, la solution, ce serait d'en parler à votre médecin, puis ça peut être une petite preuve à l'appui. Changer. Trouble du sommeil. Troisième partie. Je vous dis au début, on va parler de deux troubles du sommeil, mais avant, on va faire. Si tu veux, Karina, qu'on a une question, oui, hein? On va vous poser une autre question, puis on va rentrer dans le sujet après. Super. Donc, la première question, un des troubles que Anne-Marie a parlé, c'est l'apnée du sommeil. Donc, une question qu'on veut vous poser, c'est est-ce que vous êtes déjà diagnostiqué de l'apnée du sommeil? Est-ce que oui, vous êtes diagnostiqué, vous avez un appareil? Est-ce que oui, vous êtes diagnostiqué, mais vous n'avez pas d'appareil? Non, mais vous pensez pas souffrir, vous pensez souffrir d'apnée du sommeil, pardon, ou non, et vous pensez pas souffrir d'apnée du sommeil. Donc, on aimerait ça vous entendre aujourd'hui sur votre situation actuelle. Laissez quelques secondes. Super, je vais partager. Et qu'on a encore deux réponses pareilles. Donc, oui, je suis diagnostiquée, j'ai un appareil. Et non, je ne pense pas rappeler du sommeil. Je te laisse commenter, Karina. C'est tout? Super, oui, c'est bon. Donc, on peut passer aux explications. Yes. Donc, ici, l'apnée du sommeil.
On en parle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont l'apnée du sommeil. On estime que c'est 10% de la population, fait que ça fait beaucoup de gens. Il y a une idée aussi, avant qu'on rentre dans ce que c'est, là, qui est préconçu, c'est que c'est seulement les gens qui ont un surpoids qui auraient l'apnée du sommeil, mais c'est pas vrai, parce que c'est la façon qu'on est fabriqué dans la gorge. Est-ce que tu veux encore mettre sur pause? Oui, ça, puis j'entends encore, tu veux-tu mettre un son sur pause? Merci. Donc, c'est la façon qu'on est fabriqué dans la gorge, l'apnée du sommeil. Vous voyez en rouge, l'air devrait entrer. Les deux dessins, c'est et le nez et la bouche. L'air va en arrière, va dans notre gorge, puis jusque dans les poumons. Donc, ce monsieur-là est en bonne santé, les voies aériennes sont normales, il n'y a pas de problème. Les gens qui ont l'apnée, je vous disais, c'est la façon qu'on est fabriqué bouche et gorge. C'est surtout ici, donc la langue, le tuyau lui-même, les structures qui sont dans le tuyau. Fait que si vous regardez l'autre monsieur, l'air entre dans son nez par sa bouche, va ici en arrière, mais va pas plus loin. C'est juste ça, l'apnée du sommeil. C'est que l'air bloque au niveau de la gorge, puis va plus dans les poumons. Fait qu'on arrête de respirer, oui, mais c'est pas. Il y a plusieurs sortes d'apnée du sommeil, mais j'allais dire, celle qu'on vous parle présentement s'appelle l'apnée obstructive du sommeil. Ça veut dire que c'est une obstruction dans la gorge qui fait que l'air va pas plus loin. Ça fait plein de choses négatives. Les caractéristiques, ben, je vous les ai nommées. Le blocage des voies respiratoires. Sommeil fragmenté, je vais vous le montrer avec un autre dessin. Manque d'oxygène, c'est clair, vu qu'on ne respire pas. Ce que je voulais vous dire avant qu'on passe à l'autre, ça veut dire qu'on veut respirer. Il y a des mouvements respiratoires. L'air entre pas. C'est que ça, le problème. Fait qu'on veut, mais vu que l'air ne passe pas, on manque d'air. Puis là, notre corps, il devient en situation de stress. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait pour le gérer. Bon, dans l'autre slide, Karina, j'avais juste un. Puis un autre après? Non, OK, on revient. Je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on parle de ça, OK? Si ça arrive, ça, que la gorge ferme, on veut quand même respirer, mais l'air ne rentre pas. Notre corps déteste ça parce que justement, l'air ne rentre pas. Situation d'urgence. Fait que si vous, je prends un autre voyage. Si vous vous souvenez, encore les quatre étapes au sommeil, normalement, on avance puis on va vers le sommeil de plus en plus profond. Mais si ça arrive, notre corps, il sait que c'est parce qu'on dort que notre langue est tombée. Fait que ce qu'il fait, ça s'appelle un micro-éveil. C'est un genre de coup de coude qui nous dit, hey, tu respires pas. Fait que vu qu'on respire pas, il nous ramène dans un sommeil plus léger. Ça se fait sans qu'on s'en rende compte, mais en étant moins endormi, notre gorge, notre langue se réveille, retourne à sa place. Donc, l'air peut passer en arrière. On respire. Fait que ça, c'est bien parce que justement, on respire, on reste en vie. Mais le négatif, c'est qu'on vient de se faire enlever de notre sommeil profond. Fait que le mot de tantôt, le fait d'être fragmenté, c'est ça. L'apnée de sommeil entraîne un sommeil fragmenté parce qu'on n'avance pas seulement vers le sommeil profond, on se fait ramener en arrière souvent, souvent, souvent. Fait que tout ce que vous voyez là, c'est des choses qui sont secondaires au fait de faire de l'apnée du sommeil. Le ronflement, mais quand la gorge est fermée puis qu'elle réouvre, ça peut faire ça, là, je vais vous le mimer, c'est très chic, là, où ça veut fermer puis ça vibre, fait que c'est un des deux. Le fait de suer, c'est souvent parce qu'on manque d'oxygène. On vit quand même, hein, quand on fait de l'apnée du sommeil, fait que, mais l'oxygène dans notre sang, vu qu'on ne le renouvelle pas, mais on le consomme jusqu'à ce qu'on re-respire puis que ça remonte. Fait que souvent, le fait de manquer d'oxygène peut faire ça, amener de la sudation. Sommeil agité, on gigote. Chaque fois qu'on se fait ramener en arrière, mais on peut avoir ça, un mouvement associé à ça. On se lève souvent pour aller aux toilettes quand on a l'apnée du sommeil. Parce que nos reins, eux autres aussi, ils ne font pas dodo. Donc, ils font de l'urine comme si c'était le jour. Fait que ça, c'est un symptôme, moi, que j'aime bien poser comme question aux gens qui viennent me voir. Genre, vraiment, si justement, ils se lèvent la nuit pour aller aux toilettes. Si la réponse, c'est oui, mais on cherche, c'est pas un problème de rein, de diabète. Puis si la réponse est non, ben on peut creuser plus loin pour trouver l'apnée du sommeil. Parce que souvent, c'est ça. Comme je vous dis, les reins ne dorment pas, fait qu'ils font de l'urine. Sensation d'étouffement ou de toux, ben clairement, là, les gens, quand la gorge ferme, ben, ils sont vraiment étouffés, là, l'air passe pas. Sécheresse de la bouche, c'est parce que quand on respire par notre nez, puis qu'on fait l'apnée du sommeil ensuite, quand on re-respire, on fait jamais, on fait parce qu'on vient de manquer d'air. Fait que souvent, on respire par la bouche quand on a l'apnée du sommeil. Ça amène une grande sécheresse finalement de notre bouche. Tu peux changer. Les symptômes, ben, somnolence, parce que vu que, par exemple, si supposons moi j'ai l'apnée du sommeil, puis que j'arrête 20 fois par heure, il y a plusieurs personnes que ça peut être ça. La normale d'arrêt respiratoire, là, c'est 5 et moins, en parenthèse, fait que tout le monde arrête 5 fois et moins, ça c'est pas pathologique. Fait que
On commence à traiter en général l'apnée du sommeil quand c'est autour de 15 et plus ou si les gens ont beaucoup de symptômes comme ceux que vous voyez à l'écran présentement. Fait que, par exemple, j'allais vous dire, si j'ai 20 apnées par heure, on va faire des mathématiques. Il y a 60 minutes dans une heure, 60 minutes divisé par mon 20 arrêts par heure, ça veut dire 3. Fait que moi, ça veut dire que j'aurais 3 minutes de dodo tranquille pour me rendre dans le fameux sommeil profond, mais chaque 3 minutes, mon corps pouf, me ramène en arrière pour réouvrir ma gorge. Fait que je vais être fatiguée le lendemain parce que concrètement, je dors 3 minutes, je me fais réveiller. Je dors 3 minutes, je me fais réveiller. Donc, la somnolence viendrait de ça, le fait que je n'ai pas un sommeil qui continue, qui est efficace. Fatigue, même chose. Notion de la concentration, de la mémoire, tout ce que vous voyez là, c'est lié à ce que je viens de vous expliquer. On ne peut pas être top qualité quand finalement on dort juste un petit peu puis qu'on se fait réveiller souvent. Tu peux changer de slide, Carla. Merci. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les façons de trouver officiellement si on a l'apnée du sommeil. C'est tout un appareillage, je suis d'accord avec vous. Diagnostic ambulatoire, ça veut dire ambulatoire, c'est à la maison. Les gens, ils vont à quelque part à l'hôpital, ils peuvent venir chez nous, chez Biron, ça. C'est un équipement qu'on installe sur la personne. La personne, après ça, met ça dans sa petite valise, s'en va chez elle, réinstalle ça sur lui ou elle, dort avec ça et le rapporte le lendemain pour que ce soit évalué. Et puis, la partie qui s'appelle diagnostic, mais on dort en laboratoire. Là, je vous entends me dire, oui, comment on fait pour s'endormir avec tout ça? C'est vrai, c'est pas évident de s'endormir avec tout ça. Mais sachez qu'on n'évalue pas est-ce qu'on dort de façon joyeuse, tu sais, bien. On évalue est-ce que quand on dort, la gorge est ouverte ou est fermée, donc la qualité de notre sommeil. On évalue d'autres troubles du sommeil avec la partie qui s'appelle diagnostic aussi. Mais en gros, c'est ça. L'ambulatoire, je vous fais une autre démo là. Les fils qui sont là servent à voir si on veut respirer. La partie dans le nez sert quand on veut, est-ce que l'air entre? Si l'air entre, la vie est belle. Mais si par exemple, quand on veut, l'air entre pas, ben c'est là que les médecins savent qu'entre les deux, c'est ouvert ou si c'est fermé. Parfait, on peut changer. Les traitements. Alors, à ceux qui ont répondu tantôt, oui, j'ai l'apnée du sommeil et oui, j'ai un appareil. Le carré noir, c'est un appareil qui sert à traiter l'apnée du sommeil. Et puis, la partie qui est un peu lilas, là, un peu en bas à gauche, c'est un masque, un exemple de masque. La façon que ça fonctionne, ça, c'est que, étant donné que la gorge, elle ferme, mais la personne veut respirer, ces appareils-là poussent de l'air par le nez, qui force la langue à rester à sa place en avant, le tuyau à rester bien ouvert. Puis à ce moment-là, vu que le tuyau justement est bien ouvert, mais ces personnes-là peuvent bien respirer, aller dans leur fameux sommeil profond et puis rester là. C'est comme ça que ces machines-là permettent aux gens d'avoir un sommeil de qualité. Bien sûr, les gens qui n'ont pas d'apnée du sommeil, qui se mettent ça dans la face, dorment très mal. C'est clair parce qu'ils n'ont rien à traiter. Mais les gens qui ont l'apnée du sommeil, qui portent ça, de par le fait qu'ils dorment enfin d'un sommeil vers le sommeil profond et plus fragmenté, ils sont reposés. Les deux autres appareils que vous voyez là, celui qui est transparent, c'est un genre de mouthpiece qu'on se met dans la bouche. Ça s'appelle à faire une subluxation de la mandibule. C'est j'ai un blanc de mémoire, une orthèse avancée mandibulaire. Ça l'avance justement la mandibule. Une se part en avant. Fait que vu que la mandibule est avancée et que la langue est accrochée après la fameuse mandibule, en étant plus en avant, mais il y a plus de place en arrière. Fait que le tuyau est plus ouvert. Ça fonctionne pas toujours celui-là. C'est des dentistes spécialisés seulement qui peuvent le faire. Donc, il ne faut pas acheter ça sur Amazon, par exemple, pour ne pas le nommer. Il faut que ce soit fait sur mesure. Et le dernier, c'est pas représentatif, c'est une très large ceinture qu'on se met sous les bras avec d'immenses balles dans le dos. C'est pour ne pas justement aller sur le dos, c'est tellement inconfortable avec cette ceinture-là qu'on n'y va pas. C'est pour les gens qui ont, ça s'appelle de l'apnée positionnelle. Donc, il y a des gens qui sur le dos font une tonne d'apnée, sur le côté, ils n'en ont pas du tout. Fait qu'au lieu de porter l'appareil, par exemple, mais ça peut être une solution envisageable pour certaines personnes. Mais il faut toujours faire un test avant, finalement, pour savoir où quand on a de l'apnée. Le prochain trouble qu'on va regarder, c'est l'insomnie. Donc, encore une fois, on va vous poser une question à savoir si vous êtes insomniaque ou non. Donc, oui, vous êtes diagnostiqué, oui, mais vous n'êtes pas diagnostiqué ou non, tout simplement. Pas attendre encore une seconde. Très partagé cette fois aussi. Voilà,
Yes. Ouais, comme tu dis, bien partagé, hein, 50-50. Donc oui, il y en a, ça veut dire qu'il y en a qui dorment super bien, dans le sens, ils n'ont pas d'insomnie, ils ont pas, on ne l'a pas défini, mais en gros, les gens, 50% d'entre vous, vous n'avez pas d'insomnie, puis l'autre moitié, vous en avez. Il y en a qui sont traités, il y en a d'autres qui ne sont pas traités ou trouvés par un médecin. Merci. 30% de la population se plaint d'insomnie. C'est beaucoup quand même, hein? L'insomnie, c'est plein de choses. Ça peut être la difficulté à tomber endormi. Ça peut être ensuite la difficulté à rester endormi. Puis ça peut être aussi des éveils qui sont trop tôt le matin. Grosso modo, ça, c'est les plaintes les plus courantes chez les gens qui ont ça, de l'insomnie. Quand on a de l'insomnie, c'est 3 fois par semaine et plus. Ça veut dire si cette nuit, vous dormez pas bien, vous avez de la misère à vous endormir. Oui, cette nuit, ça a été de l'insomnie que vous avez vécu, mais on ne peut pas dire que vous souffrez d'insomnie parce que c'est seulement une fois comme ça, de temps en temps. Donc, 3 fois par semaine et plus. L'insomnie, ça peut être de courte durée. Ça veut dire, il arrive quelque chose dans ma vie, je suis stressée. Là, pendant une semaine et quart, oui, j'ai de l'insomnie. Puis après ça, j'en ai plus. Ou ça peut être vraiment, tu sais, de très longue durée pendant des semaines, des mois. Ça peut être, comme je vous disais, différemment pendant la nuit. Puis, le fait de mal dormir encore ou de ne pas avoir un sommeil, le fait de tomber endormi de façon de qualité peut avoir des conséquences dans le jour. Pareil comme ce qu'on a vu tantôt dans l'apnée du sommeil. Ça peut changer. Ensuite, les 3 P. Ça veut dire l'insomnie survient de ces façons-là. Prédisposant, ça veut dire je suis prédisposée à avoir de l'insomnie. Peut-être que ma famille, tout le monde en a. C'est des choses qui font qu'il y a des bonnes chances que moi, je vive une insomnie dans ma vie. Ensuite, précipitant, c'est ce que je vous disais comme exemple tantôt. Par exemple, j'ai un accident qui me stresse ou j'ai du travail super stressant. C'est quelque chose, un événement là, temporel, qui n'était pas là avant, qui fait que maintenant mon état a changé puis que là, je vis de l'insomnie. Donc, ça précipite le fait de faire cette insomnie-là. Puis, perpétuant, dans le même exemple, on va dire que j'ai un accident qui me stresse. Si pas une autre voyelle, si je ne la gère pas, cette insomnie-là, et qu'elle perdure, ben c'est ça le fait qu'elle est perpétuée. Fait qu'il y a souvent ces trois P-là qu'on voit dans l'insomnie. Donc, aiguë chronique concomitante à un autre trouble. Aiguë, ça veut dire elle arrive, elle est là, puis c'est tout nouveau. Chronique, comme je vous disais, elle est longue. Ça fait longtemps qu'elle est là, puis j'ai bien, bien, bien de la misère à la gérer. Puis concomitante à un autre trouble, c'est intéressant parce que c'est assez rare que j'allais dire l'apnée, que l'insomnie, elle soit pure. Ça veut dire que souvent, elle est associée à quelque chose d'autre. On prend encore l'exemple de l'apnée parce qu'on vient d'en parler. Si moi, j'ai de l'apnée du sommeil, ben, je me réveille pendant la nuit. Parce que, tu sais, si je me fais ramener dans le sommeil léger, c'est facile d'entendre ce qui se passe dans la pièce. Donc, oui, je vis de l'insomnie, mais ma solution pour moi, ce ne sera pas de traiter l'insomnie, ça va être de traiter l'apnée du sommeil qui fait que j'ai de l'insomnie. Fait que ça, on voit ça dans d'autres troubles qui existent. Fait que donc, c'est à savoir. L'insomnie, c'est tout ça. Anxiété, rumination vers le sommeil. C'est-à-dire, je pense au fait que je dors pas bien, puis après ça, je sais que je vais mal dormir, fait que j'ai pas envie d'aller me coucher. Fait que si c'est des mauvaises associations, je vous les lis, la difficulté d'endormissement, mais c'est ça. Difficulté à tomber endormi, éveil fréquent ou prématuré, c'est ce qu'on a dit tantôt. Donc, on se réveille souvent pendant la nuit ou très tôt le matin, plus capable de se rendormir. Fatigue, baisse d'énergie, c'est la même chose. C'est de par le fait qu'on n'a pas le nombre suffisant ou d'heures ou de cycles de sommeil pour nous pendant la nuit. Ensuite, diminution de la concentration, de la vigilance, c'est la même affaire. C'est que notre rythme métabolique n'a pas eu le temps de faire ce qu'il y avait à faire pendant la nuit parce que notre sommeil n'était pas de qualité. Changement de personnalité, ça n'arrive pas tout le temps, là, mais tu sais, si on dort vraiment pas bien, là, même histoire, on devient peut-être soit dépressive, soit l'inverse, mèche courte, puis on est prompt. On peut changer. Ensuite, par rapport à l'insomnie, ça, c'est les façons de traiter l'insomnie. Donc, il y a des médicaments. Les médicaments, ce n'est pas nécessairement le choix 1, toujours. C'est un choix qu'il faut parler à un médecin ou à un pharmacien. Dans mon exemple que j'ai pris tantôt, si j'ai un accident, ça peut être un bon, puis que j'ai de l'insomnie, j'allais dire, ça peut être une super bonne idée parce que, au moins, même si j'ai eu mon accident, puis que là, je ne dors pas bien pendant 2, 3 nuits, si je prends cette médication-là, puis que je dors, je n'aurai pas le temps de faire l'association, ah oui, maintenant, je ne dors plus bien, fait qu'à chaque fois que je vais dormir, je ne dors pas bien. Fait que ça peut être bon pendant un petit bout de temps.
Après ça, pour l'insomnie qui est chronique, c'est vraiment les médecins qui vont décider si c'est une bonne idée pour vous ou pas. Puis il y a certains médicaments qui peuvent avoir un bel effet chez certaines personnes, puis d'autres non. Donc, toujours en parler à votre médecin ou à un pharmacien. TCCI, thérapie cognitivo-comportementale, fait que c'est nous aider à gérer les pensées et les émotions. Fait que c'est souvent des pensées récurrentes quand on a de l'insomnie. Fait que c'est être capable de fermer notre caboche pour que notre corps puisse s'en aller. C'est des trucs, finalement, ça, c'est les psychologues qui peuvent nous aider à faire ça. En gros, c'est ça les traitements pour l'apnée du sommeil. Pour l'apnée, hein, pour l'insomnie. Ensuite, quand le sommeil est malade, je vous disais tantôt qu'on peut... c'est pas vrai qu'on va parler de l'apnée et puis de l'insomnie, mais il y a plein d'autres troubles du sommeil qui existent. Chez les enfants, là, se vivre avec un gros dinosaure méchant, là, ça, c'est des terreurs nocturnes. Il y a plein d'enfants qui ont ça. L'autre qui marche, vous connaissez sûrement le somnambulisme. On avait un questionnaire hein, encore, je pense, Karina. Ça se peut-tu? Oui. J'ai envoyé dans le clavardage le lien par le petit guide des troubles du sommeil de Biron. Donc, on fait la liste un petit peu plus exhaustive de tous les types de troubles. Fait que vous allez pouvoir aller lire ça à tête reposée pour pouvoir mieux comprendre tous les troubles du sommeil. Ouais, parce que si ça vous intéresse, il y en a, comme on a dit, on a juste fait le survol de deux. Mais là-dedans, il y en a plusieurs. Puis si jamais vous sentez interpellé par un de ces troubles de sommeil-là, n'hésitez pas à en parler à un médecin. Et puis, vous pourriez écrire dans le chat. Nous, on pourrait vous contacter ultérieurement. Ensuite, en conclusion, on avait un questionnaire avant que j'en parle de la conclusion. Oui, hein? Ouais, je te laisse y aller. Exact. Donc, je vais mettre aussi un autre lien qui est en fait notre formulaire vers les troubles de dépistage du sommeil. Donc, c'est un petit formulaire que vous pouvez faire soit à la maison ou aussi avec l'aide d'un professionnel quand on va conclure en fait puis qu'on va passer à la période de questions. Je vais également mettre une question à l'écran pour savoir si vous voulez être accompagné ou non d'un professionnel de chez Biron pour pouvoir vous aider à faire le dépistage du sommeil. C'est tout à fait gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas là si jamais mais vous voulez avoir de l'accompagnement pour ça. Je l'ai mis dans le clavardage à l'instant. Super. Donc, Amaï, je te laisserai conclure. Par la suite, on va passer à la période de questions. Oui, dans le fond, la conclusion, c'est vraiment général, dans le sens que ce que j'aimerais que vous reteniez de la petite conférence de cet après-midi, c'est que notre sommeil, dans le fond, il est à la base de plusieurs pyramides de la santé, dans le sens que, tu sais, si on dort pas bien, je me dis, si on dort pas bien, c'est difficile d'avoir justement... Tu sais, que nos autres sphères de notre santé aillent bien aussi. Fait que si vous étiez capable de prioriser votre sommeil, ce serait ça qui serait à retenir. Dans le fond, d'être capable de vous coucher aux mêmes heures, vous lever aux mêmes heures, ce serait l'idéal. Puis justement, d'être capable en premier de prioriser votre sommeil pour pouvoir ensuite, si vous avez encore des problèmes de sommeil, de fatigue, d'en parler à votre médecin pour avoir de l'aide plus poussée. Comme Karina disait, si vous voulez être accompagné d'un professionnel pour faire le dépistage, on a ça, on offre ça aujourd'hui. Vous pouvez cliquer là-dessus et puis on vous reviendra. Karina, je te laisse compléter ce que tu avais à dire là-dessus sur le questionnaire, le dépistage en fait. Oui, super. Donc, le dépistage, c'est gratuit. Ça prend environ 5 minutes. Vous pouvez le faire en ligne. À la fin, vous avez également la possibilité, si vous désirez, de parler avec un professionnel. Vous pouvez faire un suivi lors de la prise de contact. C'est important de savoir aussi qu'on offre des consultations en hygiène du sommeil là, d'une durée de 30 minutes. Donc, ça va être à la suite, évidemment, du dépistage. Donc, la première étape, c'est le dépistage si vous croyez avoir des troubles. Donc, c'était ça que je voulais mentionner par rapport au formulaire de dépistage. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai déjà reçu deux, donc on va passer ces deux questions-là, puis par la suite, s'il y en a d'autres qui rentrent, je pourrais les passer également à Anne-Marie. Donc, la première question qu'on a eue, c'est la suivante. Donc, Anne-Marie, en tant que kinalo, quel est le problème de sommeil le plus fréquent que vous entendez des clients que vous rencontrez? Mais là, c'est certain, chez Biron, on traite beaucoup, beaucoup l'apnée du sommeil. Donc, je dirais c'est ça, l'apnée du sommeil. Comment trouver si on a l'apnée du sommeil, ensuite comment gérer l'apnée du sommeil, puis une fois qu'on a un traitement d'apnée du sommeil, mais comment rendre ce traitement-là optimal. Fait que les questions que j'ai le plus souvent, c'est par rapport, comme je dis, à ça, l'apnée du sommeil. Ouais. La deuxième question, ton meilleur conseil pour bien dormir, c'est lequel? Bien,
Moi, j'aime, comme je disais tantôt dans la conclusion, là, j'aime vraiment, vraiment penser au fait qu'on est des mammifères, dans le sens que, tu sais, la lumière qui n'est pas gentille dans notre. La lumière, elle est gentille le matin parce qu'elle nous permet d'être bien réveillés, mais le soir, quand, par exemple, on regarde notre téléphone, là, ça donne un signal contraire, tu sais. Fait que c'est de souvenir qu'avant, on vivait sans toute cette lumière-là, puis les distractions. Pour être capable en premier de prioriser ça, t'sais. Donc, moi, le meilleur conseil que j'ai à dire aux gens qui ont un trouble du sommeil ou une plainte envers le sommeil, c'est d'essayer justement de vous traiter un peu comme pas un robot, là, mais t'sais, d'avoir une belle routine. Fait la routine du dodo à telle heure, mettons, après le souper, mais c'est la douche, la petite collation gentille. Après ça, ben, je m'en vais me coucher puis me lever à la même heure. Donc, essayez d'avoir une belle routine par rapport au sommeil pour être sûr que pas chercher une solution magique dans le fond par rapport à, mettons, je veux une pilule parce que je dors pas bien, tu sais. Peut-être que la pilule va aider à s'endormir, par exemple, si c'est ça mon problème, mais si je me couche des fois à minuit, des fois je me couche à 2 heures, des fois je me couche à 6 heures le soir, bien, mon corps, il sait pas trop vers où s'en aller, tu sais. Fait que d'être conscient qu'on a besoin d'une belle routine du sommeil pour pouvoir avoir le meilleur sommeil possible. Donc, d'éviter les distractions, prioriser tout ça. Mon conseil. On a eu une autre question concernant les enfants. Donc, un enfant qui bouge tout le temps quand il dort, est-ce que ça peut être indiquer un trouble du sommeil? En fait, là, faudrait bouger en tant que tel, c'est pas anormal. Chez les enfants, c'est si cet enfant-là, par exemple, le jour a un déficit d'attention ou fait, tu sais, est hyperactif, pas hyperactif, mais bouge énormément ou à l'inverse s'endort partout. Fait que si dans le jour son comportement est tout à fait normal, ça peut être normal la nuit aussi le fait qu'il bouge. Mais si aussi le jour il y a des choses qui nous font penser que c'est pas tout à fait normal, ben là, ce serait de demander au pédiatre de l'enfant d'investiguer un peu ce comportement-là la nuit. Là. Ouais. Et d'en parler. En premier, je vous inviterai à en parler au médecin de votre enfant, là, clairement, mais ce n'est pas nécessairement anormal. Super, ben je vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, écoutez, tout le monde, merci d'avoir été là aujourd'hui. On souhaite que la conférence ait pu répondre à vos questions. Merci Anne-Marie pour ton temps aujourd'hui. Un Plaisir. enregistrement disponible après la conférence d'aujourd'hui. Donc, on va vous envoyer le tout par courriel. Donc, on vous souhaite de passer une excellente journée, puis surtout, bon repos.